Bonsoir. Bonsoir à tous. Voilà, nous sommes encore ce soir dans notre direct, comme l'autre fois on a raté, donc aujourd'hui nous allons encore récupérer. Donc je demande aux frères et sœurs de partager les directs. Nous allons parler sur le sujet qui est déjà intitulé devant vous. Où sont les vrais apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes et pasteurs de Dieu aujourd'hui? Mais avant cela, nous allons chanter un cantique d'ensemble que vous connaissez déjà. Tu es merveilleux Seigneur, je ne veux que toi. Donc je vais chanter ça en français et puis nous allons chanter cela en Kisongé, c'est-à-dire c'est une langue qui se dit précisément dans le Congo central, c'est-à-dire au centre du Congo. Voilà, on va chanter aussi des cantiques que vous connaissez déjà. Donc c'est une louange, adoration ensemble que vous connaissez. Voilà. Je serai là, là
où je serai là, là où je serai là, écoute à mon nom, je serai là, là où je serai là, écoute à mon nom. Si ma robe est blanche, quand il m'appellera, si ma robe est blanche, j'entendrai. Si ma robe est blanche, quand il m'appellera, je serai là, écoute à mon nom. Je serai là, là où je serai là, là où je serai là, écoute à mon nom. Je serai là, là où je serai là, écoute à mon nom. Bonsoir, que Dieu vous bénisse, c'est les disciples du prophète Kakou Philippe depuis la République démocratique du Congo. Où sont le vrai apôtre, prophète, docteur, évangéliste et pasteur de Dieu aujourd'hui dans le monde? Frères et sœurs, vous devez déjà comprendre que vous qui nous suivez, pour être serviteur de Dieu, comment on le devient? Et où se trouve le vrai serviteur de Dieu aujourd'hui sur la terre? Parce que ce que nous voyons décourage même ceux qui ne croient pas en Dieu de se convertir ou bien de croire en Dieu. Pourquoi? Parce que vous allez voir qu'il y a des divisions partout. Les catholiques, ils disent qu'ils sont les disciples ou bien les disciples de Jésus de Nazareth. Mais quand nous observons au sein même des catholiques, nous trouvons qu'il y a catholiques orthodoxes, nous trouvons qu'il y a catholiques romains, et sans oublier aussi qu'il y a catholiques libéraux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'unité de la foi, mais nous ne savons pas si réellement au milieu des catholiques, il y a des serviteurs de Dieu. Quand nous allons chez les pentecôtistes, vous allez trouver que chaque église pentecôtiste a sa propre doctrine et sa manière de voir les choses. Une église pentecôtiste est totalement différente plutôt, d'une autre église pentecôtiste, d'une autre tendance. Mais pourtant, ils se réclament tous de Jésus. Vous allez voir que vous allez chez les protestants, vous allez trouver que la doctrine des baptistes n'est pas la même doctrine que les presbytériens. La doctrine des presbytériens n'est pas la même doctrine que les méthodistes. Mais ils se réclament tous d'un seul Jésus. Mais posons-nous la question. Comment un seul Dieu, avec un seul Saint-Esprit, peut avoir plusieurs doctrines sur la terre? C'est la question que l'humanité ne se pose jamais. Comment un seul Dieu peut avoir plusieurs doctrines sur la terre? Voilà. Dieu, il dit ceci. Nous allons lire le verset. Vous pouvez prendre Éphésiens chapitre 1, Éphésiens chapitre 4, le verset 11 au verset 13. Nous allons lire quelque chose là. Éphésiens chapitre 4, le verset 11 jusqu'au 13e verset. Et lui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, en vue de la perfection des saints pour l'œuvre du service, pour l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les véritables apôtres, les véritables prophètes, les véritables docteurs, ou bien pasteurs, ou bien évangélistes, reconnus par Dieu, ils ont une mission, c'est de rassembler le peuple de Dieu sur toute l'humanité pour l'unité de la foi. C'est-à-dire, les vrais serviteurs de Dieu dans notre génération, ils ont une mission, c'est de rassembler les élus de Dieu des quatre coins, afin que ces élus puissent se retrouver dans un seul grenier. Parce que les élus ne peuvent pas se trouver, chacun dans sa doctrine, chacun dans sa manière de faire, chacun dans sa manière de voir les choses. Mais où sont ceux-là qui rassemblent ces gens? Où sont ceux-là qui enseignent réellement l'unité de la foi? J'aimerais dire peut-être à mon frère qui me suit, peut-être vous n'êtes pas disciple du prophète Kakou Philippe, mais vous êtes catholique, je ne sais pas, protestant, évangélique, branhamiste. Regardez. Pour être serviteur de Dieu dans une génération, il faut que Dieu rencontre premièrement un homme. Et cet homme, Dieu le rencontre en tant que prophète. C'est-à-dire, Dieu rencontre cet homme, il fait de cet homme prophète. C'est-à-dire, un
prophète, on ne devient pas prophète, mais nous naissons prophète. C'est-à-dire, quelqu'un né, il est prophète. On ne devient pas prophète, ce n'est pas quelqu'un qui est né comme ça. Et à un certain moment, il s'appelle pasteur, à un certain moment, il s'appelle diacre, et ainsi de suite. Un jour, il devait dire, non, je suis prophète. Non, non. C'est-à-dire, celui qui est prophète de Dieu sur la terre, il doit premièrement naître prophète. Il naît prophète. Et c'est cet homme-là que Dieu donne maintenant les paroles de la vie éternelle. Alors, cet homme qu'on appelle prophète, il va maintenant appeler les personnes, bien les gens qui vont travailler avec lui. C'est lui qu'on appelle prophète. Alors, c'est le prophète maintenant qui établit les ministres, c'est-à-dire les sacrificateurs, qui vont l'aider dans la charge que Dieu lui a donnée pour accomplir la mission que Dieu a donnée à ses prophètes. C'est-à-dire, les sacrificateurs n'ont pas d'autre travail, si ce n'est de perpétuer ou de faire l'écho du prophète messager de leur génération. Prenons l'exemple simple. Dieu, il a choisi le prophète Moïse dans la maison de Lévi. Comme Moïse n'était pas tellement éloquent, c'est la résistance de Moïse. Dieu parle maintenant à Moïse, il dit non. Toi, Moïse, tu seras prophète et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Toi, Moïse, tu seras Dieu et Aaron sera ton prophète. Maintenant, regardez ce qui se passe. Aaron est qui? Aaron, bien qu'il est souverain sacrificateur, Aaron, il est le prophète de Moïse. C'est-à-dire, c'est Moïse qui parle. Moïse prend sa parole que Dieu lui a révélée. Il met dans la bouche d'Aaron. Et Aaron donne maintenant cette parole au peuple. Ou bien aux enfants d'Israël, ou bien aux Égyptiens, ou bien à Pharaon. Suivez-moi très bien. Regardez maintenant. Et lorsque Aaron doit faire quelque chose, il le fait en suivant ce que Moïse, qui est le messager de son temps, qui est la manifestation de Dieu sur la terre, l'avait enseigné. J'espère que vous savez tous bien l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Moïse est monté à la montagne, dans Exode chapitre 32, pour aller prendre les deux pierres de la Torah, quand Moïse a duré là-bas, les enfants d'Israël se sont regroupés autour d'Aaron. Ils ont dit, mais nous ne savons pas ce que Moïse est devenu. Mais nous voulons aussi avoir notre Dieu. Nous voulons notre Dieu. Nous voulons adorer notre Dieu. Voici, tu vas nous fabriquer un Dieu avec de l'or. Regardez, qui était Aaron? Aaron, il était le souverain sacrificateur. C'est-à-dire, il était le père de la sacrificature. Bien que Aaron était le souverain sacrificateur, mais Aaron, à l'absence du prophète Moïse, il a amené le peuple dans l'idolâtrie, il a amené le peuple dans l'égarement. Ça veut dire quoi? Il est impossible qu'un apôtre, un docteur, un prophète de l'église, un évangéliste ou un pasteur puisse amener les enfants de Dieu dans la véritable adoration ou dans la parole de Dieu si le prophète messager de sa génération n'est pas là. C'est-à-dire qu'il n'existe plus et il n'existera jamais un sacrificateur, un pasteur, un apôtre plus spirituel qu'Aaron. Mais malgré qu'Aaron, il est le père de la sacrificature, à l'absence du prophète Moïse, Aaron a égaré le peuple. Sinon, comment expliquez-vous aujourd'hui maintenant, quelqu'un se lève de lui-même, il dit, je suis pasteur, je suis apôtre, je suis docteur, je suis évangéliste. Dieu nous révèle ceci par le frère Philippe. Où peut se trouver les vrais apôtres? Les vrais apôtres, les vrais prophètes de l'église, les vrais évangélistes, les vrais pasteurs ne se trouvent qu'autour d'un prophète messager vivant de leur génération. C'est le prophète maintenant vivant de la génération qui va les établir, qui va prendre le ministère qui est en lui, il va leur donner. Là, j'anticipe déjà pour vous dire, le prophète messager, il a tous les ministères en lui. Le prophète messager, il est apôtre. Le prophète messager, il est docteur. Le prophète messager, il a le ministère des prophètes de l'église. Le prophète messager, il est lui-même pasteur. Le prophète messager, il est tout. C'est un tout parfait. Maintenant, comme il ne peut pas travailler lui seul, voilà pourquoi il choisit des gens qui vont travailler avec lui dans l'air. C'est-à-dire, tout prophète messager de l'ordre de Moïse et tous les prophètes comme Kakou Philippe, il a tout le ministère de Dieu en lui. En choisissant des gens, en les imposant les mains, il prend de l'esprit qui est à lui,
et les transmet dans ceux qu'il a établis. Voilà ce qui se passe. C'est-à-dire, lorsque le prophète Moïse, il avait choisi Aaron, Nadab, Abihu, Itamar et Eliezer comme étant sacrificateurs, en les imposant les mains pour les établir, en les lavant, c'est là où le prophète Moïse leur a donné son esprit. L'esprit qui était sur Moïse, c'était l'esprit qui devrait maintenant travailler avec les sacrificateurs. À ce moment-là, tous ceux qui travaillaient en symbiose avec le prophète Moïse, c'était eux les vrais sacrificateurs de Dieu pour les enfants d'Israël. C'est pourquoi dans le livre des Nombres, je crois le chapitre 11, le verset 16, Dieu a dit à Moïse, « Je prendrai de l'esprit qui est sur toi, je le poserai sur les 70 anciens, les 70 anciens, de peur que tu ne portes le jugement du peuple toi-même. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire, les vrais apôtres, le vrai pasteur, le vrai sacrificateur, c'est celui-là qui a l'esprit du prophète messager de sa génération. Voilà pourquoi les enfants d'Israël devraient maintenant les reconnaître comme étant les vrais sacrificateurs ou bien les vrais serviteurs de l'Éternel. Et qu'est-ce qu'ils devraient faire? Ils devraient maintenant enseigner au peuple ce que les prophètes de leur temps a enseigné. Nous pouvons laisser le prophète Moïse. Prenons Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth, pendant qu'il était prophète sur la terre, il y a des gens qui disent n'importe quoi. Vous allez appeler, vous allez poser des questions, le numéro est là déjà plaqué. Regardez. Quand Jésus de Nazareth était sur la terre, qu'on ne vous trompe pas, Jésus de Nazareth est sur la terre, il a accompli, premièrement, son ministère en tant que l'agneau de Dieu, qui est venu racheter toute l'humanité, en commençant depuis Adam jusqu'à la fin du monde, y compris Kakou Philippe. Mais le ministère de Jésus de Nazareth en tant que prophète, en accomplissement de Deutéronome chapitre 18, verset 18, là où il est dit, l'Éternel votre Dieu vous suscitera un prophète. 10 milliers de vos frères, vous allez l'écouter. Ces prophètes-là, c'est qui? C'est Jésus de Nazareth. C'est-à-dire, Jésus de Nazareth, fils de Marie, sur la terre, c'était un prophète envoyé uniquement aux brebis perdues de la maison d'Israël. Et lui-même l'a dit dans Matthieu chapitre 15, le verset 24. Une femme cananéenne marchait après lui. Il dit, mais mon Seigneur, ma fille est tellement tourmentée. Jésus ne pouvait rien dire. Quand cette femme a persisté, Jésus, en se tournant par la demande des apôtres, il a dit, je ne suis qu'envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Maintenant, vous allez voir des petits ignorants, par exemple chez les pentecôtistes, les soi-disant chrétiens, catholiques, protestants, ainsi de suite, qui ne maîtrisent rien. Ils vont vous dire, mais il est écrit dans Jean chapitre 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. D'accord. Dieu a aimé le monde, il a donné son fils unique, comme vous le dites. On ne refuse pas, c'est écrit. Mais pourquoi le fils unique de Dieu envoyé? Il a été envoyé pour sauver le monde. Maintenant, il dit, je ne suis envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. C'est ce que vous ne comprenez pas. Ça veut dire quoi? Le ministère de Jésus en tant que prophète, c'est simplement aux enfants d'Israël. Mais son sacrifice de rachat, cela concerne toute l'humanité depuis Adam jusqu'à la fin du monde. C'est dans ce sens que Jésus aussi sur la terre, il a établi aussi ceux qui devraient travailler avec lui comme sacrificateur ou comme ministre de la parole. Nous le savons bien. Lorsque Jésus de Nazareth est parti au ciel, il n'a laissé que 120 dans la chambre haute. Hein, qui se sont retirés dans la chambre haute, 120 disciples. Mais parmi les 120 disciples là, quand lui-même était vivant avant de partir, il avait 70 disciples bien comptés. Et parmi les 70 disciples, il n'a choisi que 12 qu'il a établis apôtres. C'est-à-dire, si quelqu'un n'était pas établi par Jésus comme apôtre, il ne pouvait pas faire l'œuvre d'un apôtre et il n'était pas un apôtre de Dieu. Il fallait que Jésus de Nazareth le consacre, l'établit comme apôtre. Voilà pourquoi il a dit, vous recevrez le Saint-Esprit, l'esprit que le monde ne connaît pas, mais vous, vous le connaissez, et vous le voyez, et vous parlez avec cet esprit. Il sera en vous. Ça veut dire quoi? Dieu a pris de l'esprit qui était sur Jésus de Nazareth en tant que prophète, il a posé cet esprit, il a donné cet esprit aux douze et aux disciples qui a cru en Jésus. À ce moment-là, on pouvait les appeler les serviteurs de Dieu. Qu'est-ce que Paul aussi nous dit? Paul dit ceci dans 2 Timothée, chapitre 1, le verset 6.
Il dit à Timothée, je te rappelle de ranimer les dons de grâce de Dieu que tu as reçus par l'imposition de mes mains. Donc Paul reconnaît que c'est lui, Paul, qui a imposé les mains à Timothée pour que l'esprit qui était en Paul puisse maintenant se transférer ou puisse maintenant entrer en Timothée afin que Timothée puisse avoir un ministère. C'est comme ça, on nous dit maintenant que Jésus-Christ ou Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça veut dire quoi? Dieu ne change pas sa manière de faire. Dieu ne change pas sa manière d'agir. Au commencement, nous voyons, il a fait avec Moïse. Et puis nous voyons au milieu, il a fait avec Jésus de Nazareth. Et puis nous voyons, il a fait cela avec Paul. Et aujourd'hui, il doit le faire avec quelqu'un. Je vous surprends, cher monsieur, peut-être qu'il ne croyait pas. Aujourd'hui, il le fait avec Akoufi. Qui sont serviteurs de Dieu aujourd'hui? Les serviteurs de Dieu sont ceux-là qui ont le même esprit que les prophètes Kakou Philippe, qui parlent le même langage avec les prophètes Kakou Philippe, qui sont établis par les prophètes Kakou Philippe, qui sont influencés par l'ange et l'agneau, comme les prophètes Kakou Philippe lui-même est le représentant ou bien la manifestation de l'ange et l'agneau d'une manière visible devant les hommes. Voilà les serviteurs de Dieu. La raison qui prouve que les vrais serviteurs de Dieu sont ceux-là qui sont établis par les prophètes messagers de la génération, je vous assure, frères et sœurs, il n'existe nulle part dans ce monde et il n'existera jamais dans cette génération un peuple, une église, une génération, ou plutôt une religion qui peut vivre dans la sainteté outre mesure que les disciples du prophète Kakou Philippe. Pourquoi? Parce que le prophète Kakou Philippe, étant le vrai prophète sur la terre, il a établi le vrai apôtre, le vrai pasteur, évangéliste et docteur. Lui, le prophète Kakou Philippe, leur a donné même l'esprit de la sainteté. Voilà où se trouvent les vrais apôtres, docteurs, prophètes de l'église, évangélistes dans notre génération. Il se trouve où? Il se trouve autour du prophète Kakou Philippe. Qu'est-ce qui prouve qu'ils sont vrais? C'est ce que vous allez me dire. Mais qu'est-ce qui prouve qu'ils sont vrais? Nous aussi, nous avons nos apôtres. Non. Lorsque Dieu envoie ses apôtres par les prophètes qui les établit, ses apôtres n'ont pas d'autre mission si ce n'est d'unir le peuple afin que le peuple puisse parler le même langage et les enseigner la parole du maître qui est le prophète de leur temps. C'est-à-dire, tous les apôtres du prophète Kakou Philippe sont unis comme une seule âme, enseignant la même doctrine et la même parole de sainteté. Et tous les disciples du prophète Kakou Philippe sont unis. Maintenant, regardez. Est-ce que les branhamistes sont-ils unis? Non. Les branhamistes ne sont pas unis. D'un côté, il y a ceux qui disent que nous suivons Édouard de Franck. Il y a ceux qui disent que non. Si vous suivez Édouard de Franck, nous suivons Pierre Casse. D'autres disent que non, nous suivons Baruti Kassongo. Il y a ceux qui disent que non, nous suivons Ben Mutombo, Branham Dieu. Voilà comment les branhamistes, ils se sont déjà déchirés pour nous démontrer qu'ils ne sont pas dans l'unité de la foi selon l'accomplissement de Éphésiens chapitre 4, verset 11 au verset 13. Donc Éphésiens nous dit, là où il y a le vrai serviteur de Dieu, il y a l'unité de la foi. Pourquoi? L'enseignement du prophète messager que ses ministres amènent à l'humanité doivent amener le peuple dans une seule doctrine, dans une seule connaissance. Ce que j'enseigne ce soir, ce que j'ai dit, tous les disciples du prophète Kakou Philippe les savent déjà par cœur. Vous comprenez maintenant? Quand on regarde les branhamistes sont divisés. C'est pour dire qu'ils ne sont pas dans l'unité de la foi, il n'y a pas la parole, il n'y a pas la vie de sainteté. Quand on regarde les musulmans, ils sont divisés. D'un côté, nous avons les chiites, qu'on appelle les chiites. De l'autre côté, nous avons les sunnites, qu'on appelle les sunnites, c'est-à-dire ceux qui suivent la tradition. En dehors des sunnites, il y a les hamandiyya. En dehors des hamandiyya, il y a les groussoufis. En dehors des groussoufis, il y a les salafistes. Il y a plusieurs tendances aussi chez les musulmans. Regardez, tous les musulmans sunnites ne peuvent d'aucune manière
reconnaître le Coran des Amandia. Et les Amandia aussi ne peuvent jamais reconnaître ce que les sunnites disent. Les chiites, ils ne reconnaissent pas aussi ce que les sunnites font, de telle sorte qu'ils étaient obligés maintenant de construire leur propre Kaaba. La Kaaba, selon ce qu'ils font. Vous comprenez un peu cela? C'est-à-dire, quand nous regardons l'islam, l'islam chiite, sunnite, salafiste, hamandia, c'est la même chose, c'est une autre forme du branhamisme. Tonnerre révélé, tonnerre non révélé, Branham Dieu, Branham prophète, et Ward de Franck. Donc, c'est la même chose. Quand on quitte chez les branhamistes, on regarde les catholiques, on voit catholique orthodoxe, catholique romaine, catholique libérale, on voit que c'est la même chose, toujours la division. Quand on voit chez les kimbanguistes, les païens, les Congolais, d'abord je vais dire quelque chose en passant, plusieurs Congolais pensent que Simon Kimbangu c'est un prophète. C'est très faux. Simon Kimbangu Kiangani n'a jamais été prophète et ne le sera jamais. Mais nous le reconnaissons au Congo comme étant quelqu'un aussi qui a lutté pour l'indépendance. Alors, ne mêlez pas un politicien Kimbangu qui souffre en enfer dans les choses de Dieu. Alors, chers Kimbanguistes, nous vous respectons et nous vous aimons. Arrêtez de tromper les gens que Simon Kimbangu était prophète. Si Simon Kimbangu était prophète, donnez-nous quel est le message de Simon Kimbangu. Quel est le précepte qu'il a donné à l'humanité pour la vie éternelle. Un Kimbanguiste m'a dit un jour, non, Simon Kimbangu avait dit, les Congolais, il faut Bolingo Namosala. Il dit que non, Bolingo Namosala. Bolingo Namosala, ça veut dire l'amour et le travail. Voilà le message que Kimbangu leur a enseigné. Alors quand on lui pose la question, mais c'est écrit où dans les livres de Kimbangu? Il dit, il n'a pas écrit les livres, lui il ne répétait que la Bible. Alors on a compris que ce n'était que du bobard, des mensonges. Donc comprenez que chez les Kimbanguistes, il y a ceux qui suivent les fils cadets de Kimbangu, il y a ceux qui suivent la tendance du fils aîné de Kimbangu. D'où maintenant est sorti les Kimbanguistes en tant que religion. Et une autre sorte de Kimbanguistes qu'on appelle les Malemba. Une autre sorte de Kimbanguistes qu'on appelle les Malemba du Saint-Esprit. Donc ils sont aussi divisés, tout comme les catholiques, les branhamistes et les musulmans. On laisse les Kimbanguistes. Prenons les protestants. Les protestants, vous trouvez de l'autre côté, luthériens, baptistes, méthodistes. Même les méthodistes eux-mêmes, ils sont encore divisés. On laisse les méthodistes. Prenons les églises de réveil, qu'on appelle églises pentecôtistes. Chez les pentecôtistes, ils sont aussi divisés. Vous trouvez les pentecôtistes faits dévorants et ils invoquent le feu. J'invoque le feu, feu, ils envoient le feu. De l'autre côté, vous trouvez les pentecôtistes qui disent que non, non, nous ne pouvons pas envoyer le feu parce que le prophète Gabou Philippe a dit il ne faut pas envoyer le feu. De l'autre côté, vous trouvez des pentecôtistes qui disent que non, non, une femme peut prêcher. D'autres disent que non, une femme ne peut pas prêcher. Donc, vous comprenez que c'est la confusion, même dans les églises de réveil, les églises évangéliques et les églises pentecôtistes. Mais je voulais aussi féliciter quelqu'un en passant, Marcelo Tounazi. Félicitations. Marcelo Tounazi est le seul pasteur congolais qui a au moins compris que non, non, nous ne pouvons pas rester calmes pendant très longtemps, alors que Kakou Philippe dit que le cri de minuit est la parole de Dieu. Lui, il a compris, il a dit, non, non, le cri de minuit, c'est une vérité. Et maintenant, Marcelo, lui aussi, il veut être le cri de minuit. Donc, Marcelo peut déjà commencer à conseiller ses amis pentecôtistes que non, non, mais mes chers, au Tosala qui est erreur, le cri de minuit, on a les arts, on a les vérité, on Philippe a les arts, on. Donc, il va commencer déjà à dire au Chinois cela. C'était en passant pour lui dire que ce qu'il a fait, j'ai aimé le fait qu'il a reconnu que le cri de minuit, c'est une promesse incontournable de Dieu. Mais malgré cela, les pentecôtistes entre eux-mêmes, ils sont divisés. C'est dans ce sens que Marcelo peut se trouver même dans une organisation des églises qu'on appelle la Génération Joël. Dans cette Génération Joël, leur organisation, il y a toutes sortes de pasteurs de tendances confondues. Même la une femme, il y a une femme là, une prostituée là, qui porte des pantalons et des collants en Côte d'Ivoire, qu'on appelle Jeanne Monet, Jezabel Monet, quelque chose comme ça là. Cette prostituée là peut venir ici au Congo avec les pantalons qui collent, qui tracent ses derrière, qui tracent sous son corps, les Marcelo, les Casali, ainsi de suite, tous les autres pasteurs, ils sont derrière une femme là, et ils ne comprennent même rien. Vraiment, frère, je vous dis, l'air est grave.
Où sont les vrais serviteurs de Dieu? Les vrais apôtres? Les vrais auteurs? Où peut-on les trouver? C'est simplement autour d'un prophète messager. Ça ne se limite pas là. Quand vous allez chez les juifs, ce qu'on appelle les judaïsmes, chez les juifs, vous allez trouver, il y a ce qu'on appelle les séfarades, il y a ce qu'on appelle les ashkénazes. C'est-à-dire, chez les juifs aussi, il y a deux tendances. Il y a les séfarades et il y a les ashkénazes. Et maintenant, il vient de s'ajouter une autre tendance qu'on appelle les juifs messianiques. C'est-à-dire, ces juifs, ils reconnaissent Jésus, ils ne sont pas d'accord avec les ashkénazes et les séfarades. Frères, c'est grave. L'air est grave. Alors, toute cette division, on comprend que c'est la séduction. On comprend que c'est l'égarement total. Les vrais serviteurs de Dieu, les vrais apôtres, le vrai pasteur, se trouvent à côté d'un prophète, autour d'un prophète, et c'est le prophète Kakou Philippe aujourd'hui. Qu'est-ce que maintenant le prophète Kakou Philippe enseigne que les autres n'arrivent pas à comprendre? Qu'est-ce que le prophète Kakou Philippe enseigne que les autres n'arrivent pas à vivre? La première des choses, le prophète Kakou Philippe, il est le seul prophète de cette génération qui a restitué à l'église la confession publique pour que l'église soit purifiée, blanchie et affinée de toutes sortes de péchés. C'est dans ce sens que vous allez voir que tous les disciples du prophète Kakou Philippe, ils savent que regarder un film pornographique, c'est tellement dangereux que tu vas te faire posséder des esprits. Mais partout dans le monde, les gens sont derrière les films pornographiques. Nous, les disciples de Kakou Philippe, même les TikTok là, on n'utilise pas. Hein? On voulait vous signaler cela. Parce que nous, c'est la sainteté outre mesure. Mais les gens regardent des films pornographiques, les films de sexe, ils se disent chrétiens. Ils se disent enfants de Dieu. Après, ils vont prendre leur propre femme dans les mêmes positions de films pornographiques. Vous voyez, une femme catholique, une femme pentecôtiste, une femme protestante, évangélique et branhamiste est aussi animée des mêmes esprits de femmes qui tournent des films pornographiques en Hollywood. Toutes les positions des pornographes, elles maîtrisent. Pourquoi? Parce que son mari même, il est spécialiste dans cela. Vous qui regardez les films pornographiques, après avoir regardé les films pornographiques, les films impies, vous prenez vos femmes par derrière. Tu prends ta langue, tu passes sur les parties intimes de ta femme, sur le sexe de ta femme, dans l'intimité de ta femme. Une femme qui prend le sexe de son mari, qui met dans la bouche comme quelqu'un qui est en train de sucer un bonbon, on ne sait pas. Et toutes ces choses-là, vous pensez que devant le trône de Dieu, vous allez vous en sortir, alors que Kakou Philippe vous prêche la parole de la sainteté. Après avoir regardé les films pornographiques, des pasteurs, des évangélistes, des docteurs, des soi-disant chantres au Congo, ils sont en train de faire de quoi? Des masturbations dans leur douche. Quelqu'un qui va se laver, il fait une heure du temps. Quelqu'un qui part se laver, il fait 45 minutes, 30 minutes. Ça, c'est grave. Et quand vous vous renseignez pour savoir il s'agit de quoi? C'est la masturbation. Et les soi-disant chrétiens sont spécialistes dans cela. Les catholiques, les protestants. Mon frère, suis-moi très bien aujourd'hui. Hein. Toi qui m'écoutes, il ne faut pas t'énerver. Frère, le prophète Kakou Philippe, qui est le prophète de notre génération. Le prophète Kakou Philippe dit, toute personne qui pratique la masturbation, cette personne est déjà sous la malédiction. Et chaque fois qu'il verse sa semence d'homme sur la terre, c'est lui l'ennemi de ce monde. Il est en train de maudire la terre, il est en train de maudire son pays. Toi, les masturbateurs qui m'écoutent, toi qui fais la masturbation, qui jette ta semence par terre, sache que même si tu n'es pas d'accord avec Kakou Philippe, tu vas mourir pour aller en enfer, et la masturbation que tu fais là, te retrouvera là-bas. Voilà pourquoi les gens n'aiment pas les prophètes Kakou Philippe. Ça ne s'arrête pas là. Avant, on pensait que la masturbation, c'est seulement les hommes. C'est pire. Parce qu'il y a même des femmes
qui se disent chrétiens, qui vivent dans la masturbation. Au Congo, il y a un chantre là, un païen, c'est là, j'ai un païen du nom de Mike Kalambay et Moïse Mbia, les deux messieurs là. Pendant très longtemps, les prophètes Gabou Philippe avaient dit que l'esprit qui influence tous les musiciens congolais ou d'ailleurs dans tous les pays, les soi-disant musiciens chrétiens, ils sont influencés par les mêmes esprits de Koffi Olomide, les mêmes esprits de Papa Wemba, les mêmes esprits de Denis Lessi, c'est le même esprit qui anime tous ces chantres-là. Mais les gens disaient, mais pourquoi Gabou Philippe peut exagérer jusqu'à aller dire cela? Ils n'ont pas compris. Quand on a arrêté Kissa Koffi Olomide, il a été arrêté en France, en Europe. Pourquoi? Parce qu'il a violé les femmes. On a compris que non, ce monsieur, il était en train de coucher avec ses musiciennes, ainsi de suite. Mais, récemment ici au Congo, les chantres ici, Moïse Mbie, mais Moïse Mbie aussi, pour prouver que ce que Kakou Philippe a dit était la vérité, Moïse Mbie aussi, il avait violé une fille qui chantait avec lui. Pour montrer que quand Kakou Philippe parle, c'est l'ainsi dit le Seigneur qui ne peut pas faillir. Donc Moïse Mbia, il est aussi animé par le même esprit comme Koffi Olomide. De la même manière que Koffi Olomide peut violer ses danseuses, c'est de la même manière que Moïse Mbia est en train aussi de violer et de coucher avec les filles de son église et les danseuses. Et puis vous allez voir des papas, des gens ils sont dans l'église là, comment on appelle, cité bête. Ils sont là-bas, ils sont en train de dire, oh non, serviteur de Dieu quoi? Quel serviteur de Dieu? Un violeur qui est en train de coucher avec les filles déjà, c'est cela que vous appelez serviteur de Dieu. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand Moïse Mbia a fait cela, Mike Kalambay pouvait dire non, faut pas attaquer les hommes de Dieu. Récemment, avec une chanteuse païenne aussi, prostituée d'Hollywood, du nom de. C'est comment on appelle là? Miracle, c'est miracle ou bien c'est comment? Bon, je vais me rappeler ces noms-là. Il y a une femme là qui chante aussi. Dans des groupes là de gospel ainsi de suite. Cette femme a même publié des vidéos où elle couchait avec Mike Kalambay. Le monsieur étant troublé, il ne pouvait pas se contenir. Regardez, Kakou Philippe avait condamné ces gens il y a déjà des années. Depuis 2002, les prophètes Kakou Philippe, par la révélation de Dieu, avaient dit ces gens, ils sont animés des mêmes esprits que Werason, le même esprit que Jibem Piana, le même esprit que DJ Arafat. Voyez Arafat là qui peut danser torse nu, hein, qui Arafat là qui peut les déshabiller des femmes, ainsi de suite. Voyez, vous pouvez comme quelqu'un comme Arafat, quelqu'un comme sa maman là, cette Tina Glamour là, une maman qui n'a pas de pudeur, qui laisse son corps comme ça. Le même esprit qui anime cette prostituée là, c'est le même esprit qu'il faut voir dans ces soi-disant chanteuses ou bien chanteurs. Et qui a révélé cela? C'est Dieu qui a révélé cela au travers du prophète Kakou Philippe. Dans une église protestante, dans une église pentecôtiste, frère, l'engrossement est grave. Vous pouvez entendre que non, tel frère, il a engrossé telle sœur, il a engrossé telle. Le pasteur ne paie rien parce que lui-même, le pasteur, il prend des femmes. C'est avec ça que les gens n'aiment pas les cris de minuit. Frères et sœurs, les cris de minuit est un message de sainteté. Vous qui croyez le message du prophète Kakou Philippe, vous le savez très bien. Les cris de minuit condamnent que quand tu es jeune chez toi, à la maison, chez tes parents, tu dois rester calme. Tu ne dois pas exploiter les rapports sexuels avant le mariage. Il y a des jeunes dans des églises, ils disent que non, c'est mon fiancé. Il est connu chez nos parents, mais c'est mon ami, frère. L'amitié entre filles et garçons n'existe pas. Voilà pourquoi nous, les disciples de Kakou Philippe, tu ne verras jamais un frère en camaraderie avec une sœur. Ça n'existe nulle part. Les gens, ils ont légalisé la prostitution. Ils sont allés plus loin dans leur prostitution. Maintenant, ils utilisent les pilules. Ils utilisent des implants que les femmes mettent dans leur corps. Au Congo, maintenant, j'ai un frère là, c'est un médecin. Permettez que je le dise. Il m'a dit, je suis surpris de voir que même des filles de 25 ans, les filles de 28 ans, de 30 ans, sont maintenant atteintes par la ménopause due au myome qui détruisent leur corps parce qu'elles ont mis des implants dans leur corps. C'est-à-dire une femme.
a pris des choses qu'on appelle des implants, des piquilles, elle met dans son corps, elle prend des choses là pour ne pas tomber enceinte. Maintenant, comme conséquence, plusieurs jeunes filles commencent à avoir des problèmes de myomes, commencent à avoir les problèmes de... elle ne peut plus concevoir. La raison, c'est quoi? C'est à cause de ces histoires sataniques et diaboliques. Mais quand Dieu révèle par le prophète Kakou Philippe que toute personne qui a ses implants, qui utilise des pilules, des piqûres dans son corps pour ne pas tomber enceinte, c'est une poupée sexuelle. Regardez, il y a des papas dans leur maison, ils ont des poupées sexuelles sans le savoir. Un papa qui autorise à sa femme d'aller mettre ces choses-là, c'est une malédiction. Maintenant, imaginez-vous, frères et sœurs, avec ça, comment les gens vont aimer Kakou Philippe? Avec ça, comment ils peuvent être d'accord avec Kakou Philippe? Parce que Kakou Philippe leur frappe fortement même sur la plaie. Je vais vous dire ceci, frères, messieurs, vous qui nous suivez, le prophète Kakou Philippe, c'est un bon médecin. Un bon médecin, quand il cherche à te soigner, lorsque tu as une plaie, il prend son ciseau là, il met sur les daquins, il prend les daquins, il prend de l'alcool, il commence à soigner sur la plaie. Et il frotte fortement jusqu'à ce que le sang va couler. Après, il va maintenant te soigner. Mais un faux médecin, il sait que la plaie est déjà infectée, il va commencer à toucher lentement pour que tu ne puisses pas avoir mal. Frère, nous aimons un prophète qui nous dit la vérité comme Kakou Philippe. Un prophète qui prêche la sainteté outre mesure comme Kakou Philippe. C'est pourquoi il n'existe nulle part de vrais apôtres, de vrais pasteurs, de vrais évangélistes comme les disciples établis par Kakou Philippe. La sainteté outre mesure. Les disciples du prophète Kakou Philippe, ils savent que vous ne pouvez pas coucher avec votre femme les samedis et puis aller dimanche à la chaire prêcher les gens. Il y a même des pasteurs pentecôtistes, des pasteurs évangéliques, ils sont énervés contre Kakou Philippe. Il dit, ma propre femme que j'ai épousée avec la dote, tu me dis, je ne dois pas coucher avec ma femme les samedis nuit. Frère, je vous assure que l'humanité est sous l'emprise du diable. Les gens ne savent pas ce qu'on appelle la sainteté. La sainteté est notre combat dans ce message. C'est ça notre devise. Vous ne pouvez pas chercher à aller au ciel, vivre le paradis, où il n'y a pas le sexe, où il n'y a pas les films pornographiques, où il n'y a pas de masturbation, mais ici sur la terre, vous refusez de laisser ces choses. Voyez quand des pasteurs se disent, non, Kakou Philippe veut nous interdire nos femmes. Il dit que non, on ne doit pas coucher avec sa femme le samedi. Mais pasteur, est-ce qu'au paradis, les paradis que vous allez aller, quand les paradis que vous prêchez, cher pasteur, au paradis, il y a le sexe. Vous allez faire le sexe avec votre femme? Voilà la malédiction comment pèse encore sur les gens. Alors, toi qui as pratiqué la masturbation, toi qui regardes les films pornographiques, toi qui as eu des rapports sexuels avec des hommes, avec des femmes avant la dot, personne n'est à l'origine de ton malheur. Personne n'est à l'origine de ta malédiction. C'est toi-même la malédiction, c'est toi-même l'ennemi de Dieu. Alors, comme Dieu t'aime, il t'a envoyé un homme, le prophète Kakou Philippe. L'esprit qui est sur le prophète Kakou Philippe, c'est ça le Saint-Esprit. Il n'existe le Saint-Esprit nulle part dans ce monde, si ce n'est l'esprit qui agit sur le prophète Kakou Philippe, qui anime tous les disciples du prophète Kakou Philippe. Ce que les gens appellent Saint-Esprit dans l'église catholique, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le prêtre catholique lui-même, il est là, il est en train de célébrer la messe, il termine de célébrer la messe, il est la première personne en sortie pour aller dans une boîte ou bien pour aller devant des terrasses pour prendre l'alcool. Et puis les catholiques, ils sont là, ils disent que nous sommes francs. Même le prêtre connaît que je prends de l'alcool. Toi, si le prêtre connaît que tu prends l'alcool, tu es sauvé. Les gens ont une mauvaise mentalité. Il y a des gens ici au Congo qui disent souvent, « Attends, prêtre, papa, si votre pasteur, si votre docteur, évangéliste, il sait que vous prenez l'alcool, vous êtes sauvé. » Il dit, non, parce que lui, il connaît, Dieu va te pardonner que non. N'est-ce pas son pasteur connaissait qu'il prenait l'alcool? C'est lui qui prend l'alcool. Toi, tu es accro à l'alcool. Toi qui s'enivre chaque fois, tu prends l'alcool. Tu prends le vin, ça ne marche pas. Tu prends la boisson forte. Tu connais toutes sortes d'alcool.
c'est les démons qui t'animent. Viens vers Kakou Philippe pour laisser l'alcool. Viens vers Kakou Philippe pour être délivré. C'est pourquoi les gens de l'église primitive avec Pierre Casse, vraiment frère, le monde est abîmé. Vous savez, hein, par moment, il y a un monsieur qui me disait que il y a tellement de gens qui pêchent dans ce monde, ils vivent dans l'immoralité sexuelle, ils vivent dans l'alcool, dans les péchés. Mais ils prennent toutes ces choses-là, ils les font reposer sur le nom de Jésus. Ils disent que non, c'est au nom de Jésus que nous faisons cela. Voilà les gens qu'on appelle les gens de l'église primitive. Les gens comme des... Il y a un petit là en Côte d'Ivoire. Il y a un petit bandit là qui circule, Gédéon de Tchétchouva. Voilà. Les petites fumeurs et alcooliques, il peut même aller loin pour dire que non, vous pouvez goûter une femme avant de l'épouser. Vous pouvez goûter une femme avant d'épouser une femme. Mais j'ai aimé une fois quelqu'un m'a posé cette question. Toi, Gédéon de Tchétchouva, si tu m'écoutes, j'espère que je sais que tu vas me suivre. Est-ce que tu penses que ta fille là, ta propre fille, quelqu'un peut goûter ta fille et puis il va épouser une autre fille ailleurs? Race de vipères. Et ce sont des gens comme ça, les gens dépravés de mœurs, des dépravés sexuels, ils sont là en train d'acclamer, ils disent « Gédéon de Tchétchouva, Gédéon de Tchétchouva ». Frère, la sainteté, c'est avec les prophètes de votre temps et c'est le prophète Kakou Philippe. Un autre Congolais qui s'est levé, il s'appelle Chilaï, ici à Lubumbashi. Lui, il est très dangereux, hein. Je vous assure, vous qui me suivez. Si vous écoutez un monsieur qu'on appelle Pierre Casse ou bien Chilaï, ils sont très dangereux. Pierre Casse, même les jours de la prédication, les dimanches, hein, il doit monter à la chaire pour aller prêcher. Dans son bureau, on doit d'abord amener une soeur ou bien une femme. Il doit coucher avec une femme dans son bureau pour aller maintenant prêcher. Regardez cette malédiction. C'est-à-dire, Chilaï s'inspire du sexe pour avoir la prédication. Pierre Casse, il s'inspire du sexe pour avoir une prédication. C'est-à-dire, il va d'abord coucher avec une fille. Il commence à coucher avec une fille peut-être à 9h. Et puis à 10h30, il monte pour aller prêcher les gens. Et puis vous êtes dans une telle église, vous pensez que vous allez être sauvés? Il n'existe nulle part sur la terre la véritable église, si ce n'est ceux qui acceptent de suivre les messages du prophète Kakou Philippe, qui forment l'église véritable. Il n'existe nulle part dans ce monde les vrais serviteurs de Dieu, si ce n'est ceux qui suivent les messages du prophète Kakou Philippe. La vraie sainteté, c'est dans ces messages. Frères et sœurs, je vais passer le numéro pour ceux qui veulent nous appeler en direct. Le numéro, c'est +243 97 36 96. Je répète, j'ai dit, le numéro, c'est +243 97 36 96. Vous pouvez nous appeler sur WhatsApp ou bien en direct. Nous allons vous recevoir. Appelez maintenant, on va répondre aux questions. Les musulmans, vous pouvez venir, on vous écoute. Chers musulmans, musulmans sur musulmans, vous allez partir en enfer si vous ne croyez pas les prophètes Kakou. Mon téléphone est là. Le téléphone est déjà ouvert. Vous pouvez appeler, chers musulmans. Il y a des petits musulmans qui sont... J'ai suivi, je vais vous faire... Je vais vous expliquer quelque chose. Il y a un petit musulman du nom de Oustaz Diané. C'est un petit de faible niveau. Donc, si Amand Martin est là, lui, le petit musulman, ne peut même pas arriver aux chevilles d'Amand Martin. C'est-à-dire, il est trop bas. Trop bas. J'ai dit trop bas. Je l'ai une fois récupéré dans le forum étudiant soldat. Le petit, il était tellement coincé, il a fui. Maintenant, regarde comment ils font. Il va monter une vidéo sur YouTube où il dit qu'il parle avec Amand Martin. Mais la personne qui parle même dans la vidéo-là, ce n'est pas Amand Martin. Ni même la voix d'Amand Martin. Alors, pourquoi ils font cela? Tellement qu'ils ont honte, tellement qu'ils ont la haine contre l'apôtre Amand Martin, alors ils veulent à tout prix salir
ces personnages. Parce qu'ils savent que c'est autour du prophète Kakou Philippe, là où il y a les vrais serviteurs, les vrais apôtres, docteurs, pasteurs, évangélistes de Dieu. Alors, Oustaz Diané, mon numéro est là. Tu appelles là, je te récupère. Faut leur dire, hein, il faut... Je ne connais pas son numéro. Il faut dire à ces petits musulmans de, c'est bon, ma, bam, béni, islam, ainsi de tout, tout ça. Qu'ils appellent là en direct, on les écoute. Et puis on va les mettre là, les gens vont écouter, s'ils vont parler. Ils vont attendre, et puis, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils voient quelqu'un, il n'a pas encore même 2 mois dans les messages de Kakou Philippe, des gens faibles là qui viennent de commencer, ils les attaquent à côté pour dire, voilà, je parle avec les disciples de Kakou Philippe. Je suis là, disciple de Kakou Philippe. Abdul Majid là, quand apôtre Martin était ici au Congo, Abdul Majid est entré en confinement. Il était en confinement. On l'a mis en quarantaine. Après le départ de l'apôtre Martin, le monsieur va maintenant sortir de quarantaine pour dire, je ne l'ai pas entendu, je ne l'ai pas vu. Il était ici au Congo. Avant Martin est arrivé à Kinshasa. Kinshasa, il est allé à Goma. Il est allé à l'Est. Il est venu à Lubumbashi, à Kolwezi, et plutôt à Likasi, Kipushi, Kasumbasi. Il est arrivé partout. Il a beaucoup circulé au Congo. Mais le monsieur, il était encore en quarantaine. Lui-même, Abdul Majid, ici au Congo, il n'est rien. Ça, je vous assure, il est vide. Même ici à Lubumbashi. À Lubumbashi seulement. Je ne sais pas même s'il vient à Lubumbashi. Parce que Lubumbashi, Kinshasa, c'est 2000 km. Donc, il est vide. C'est seulement des petits ignorants là, des Figaro là-bas en Côte d'Ivoire, ils disent, disciples de plutôt élèves d'Abdul Majid, ils vident. Appelez les numéros et là, on va vous recevoir. Voilà, je vais vérifier. Dans les commentaires, s'il y a, on va répondre. J'aime les voir. Signalez les commentaires là-bas, les musulmans, signalez. Voilà. Même vous, les gens des autres églises. Contredisez, démontrez qu'il y a d'autres serviteurs de Dieu en dehors de ceux que Kakou Philippe a établi. J'attends encore. Là, je suis sur WhatsApp. Hein. Je suis sur WhatsApp. Personne n'a appelé. Vous avez peur de voir. Frère, il faut leur passer ces numéros. Quand on va encore passer prochainement là, qu'ils appellent, on va les récupérer. Quand le prophète Kakou Philippe est sur la terre, la création tout entière est en train de dire Amen. Et vous devez vous taire et écouter Kakou Philippe parler. Nous, les disciples du prophète Kakou Philippe, nous sommes là. Voilà. Donc, retenez, frères et sœurs, c'est un prophète messager qui doit établir la sacrificature. Et c'est le prophète, comme il établit la sacrificature, c'est le prophète qui vient définir les péchés. C'est le prophète qui vient enseigner à l'humanité c'est quoi les péchés. Et comment sortir du péché? Il y a des gens dans des églises catholiques qui s'envolent dans les rêves. Il y a des gens dans l'islam qui... Oui, d'ailleurs, c'est une vérité. J'étais dans un groupe de musulmans. Un musulman était en train d'intervenir où il était en train de poser la question si la masturbation était un péché. Il était étonné de savoir que la masturbation était un péché. J'ai compris, oui. Voilà, je comprends pourquoi il était étonné. Parce que Mohamed lui-même, il pouvait dormir comme ça, il se réveille le matin, il a déjà souillé ses vêtements avec sa semence. C'est-à-dire qu'il était même dans la 5e dimension. Alors, c'est à juste titre que son disciple, son soi-disant disciple, puisse dire que non, la masturbation n'est pas un péché. Il dit que c'est un problème du corps simplement pour donner du plaisir au corps. Mais vous, les fils du diable, vous n'êtes pas sérieux, hein? Vous n'êtes pas sérieux. Cherchez la délivrance. Alors, je disais ceci. Voilà, je vais d'abord voir si c'est un message. C'est comme s'il y a quelqu'un qui a envoyé un message là. Non. Ils ont peur. Ils n'ont pas encore envoyé un message. Ils n'ont pas encore envoyé un message. Donc, vous dormez. Vous êtes immobilisé dans vos sommeils. Vous sentez par moments les coups, ça fait mal. Il y a quelqu'un qui vous étrangle, vous êtes étouffé. Et vous dites... Vous avez Dieu. Vous dormez. Il vous arrive que vous dormez, vous voyez que vous avez des rapports sexuels avec des hommes, avec des femmes. Il y a des femmes qui rêvent. Et il y a comment je vais expliquer? Il y a des femmes qui sont spécialistes. Dans la vie courante comme ça, elle n'est pas mariée. Mais chaque nuit, elle est mariée.
une femme mariée dans la nuit. C'est ça, non? C'est-à-dire, elle est en train de faire des rapports sexuels avec des hommes. Ce sont des démons. Vous êtes possédés par les esprits de sexe. Il y a des jeunes garçons, des jeunes hommes, des papas, des mamans, des gens qui rejettent les messages de Kakou Philippe. Mais quand ils dorment la nuit là, ils sont en train de voir qu'il y a une ombre qui entre dans la maison, qui l'homme est en train de les étrangler, de les immobiliser. Ces choses-là n'arrivent pas au-dessus du prophète Kakou Philippe. Même Satan lui-même, je dis ceci, même Satan lui-même, il sait que là où il y a Kakou Philippe et ses disciples, il ne peut pas s'approcher. Satan ne peut jamais s'hasarder s'approcher devant un disciple de Kakou Philippe. Satan connaît, il ne peut pas faire ça. Mais c'est toi qui ne connais pas, voilà pourquoi tu es en train même de chercher à parler quand on parle des cris des menus, on essaie d'expliquer aux gens la vie de la sainteté. Frère, la modernisation est en train de dénigrer les femmes. Ici au Congo, les femmes sont nues au nom de la modernisation. Vous voyez une fille qui vous passe devant, elle est en mini-jupe, toutes se cuissent dehors. Certains sont allés plus loin. Elles laissent même des nombrils dehors. Il y a un système là que les femmes au Congo utilisent. Je ne sais pas si c'est partout dans le monde. Elle va porter les dessus. Et puis, elle prend des soutiens à gauche. Elle s'arrange de sorte que quand elle marche, elle entre dans un véhicule, vous avez l'impression de voir une partie de ses seins dehors. Il y a des seins qui est gonflé comme ça, comme des pommes, qui cherchent à sortir dehors. Mais comme nous, les disciples du prophète Kakou Philippe, on voit ça. Maman, nous savons que vous êtes nus. Vous êtes nus. Et puis elle va te dire, non mon frère, tu as dit son papa, et ça comme modernisation, tu as la vie, et ça modernisation, femme possédée. Satan a déshabillé les femmes au nom de la modernisation. Une maman qui marche avec des collants, le collant trace son corps, ses parties intimes, elle est là, elle dit que non, c'est la modernisation. Vous êtes en Europe. Mais en Amérique, là, il y avait un prophète du nom de William Marion Branham. Il a condamné les femmes en collant. Il a condamné les femmes en mini-jupe. Il a même prophétisé qu'il était contre de voir les femmes marcher en string. Vous allez dire, non, il fait très chaud ici. Chez nous, je ne sais pas si chez vous, là-bas, il ne fait pas chaud. Ici, il fait très chaud. Voilà pourquoi on marche par moment en string. Mais vrai, c'est le monde, vraiment. Kakou Philippe a raison. Dieu est en Afrique. Il y a un temps, ici au Congo, les Blancs, les Belges nous enseignaient la moralité. Les Belges nous enseignaient comment un garçon ou bien comment un enfant doit respecter son père. Regardez l'habillement des Belges lors de la colonisation des Congolais. Ils s'habillaient avec, d'une manière, avec pudeur, avec respect. Mais aujourd'hui, vous pouvez voir un Européen, sa maman en string à la plage, l'enfant aussi est là, seulement avec les sous à la plage. Et puis les fils du diable vont aller à la plage. Vous allez à la plage faire quoi? Vous êtes rempli du Saint-Esprit, c'est pourquoi vous allez à la plage? Vous allez à la plage prêcher? C'est la prostitution qui vous envoie là-bas. Il y a même des pasteurs au Congo qui prennent des vacances. Ils disent non, je m'en vais, je voulais un peu m'étendre, laisser mon esprit un peu se réchauffer, je vais aller à la plage. À la plage là-bas, tu vas aller avant le Saint-Esprit. Là où il y a les femmes qui dorment par terre là, avec des strings, qui laissent leur corps dehors, et puis tu dis que tu as le Saint-Esprit là-bas. Des démons tout à fait. Appelez les musulmans, je vous attends. Cette risque. Vous avez fait une rise, vous les musulmans, vous avez fait une rise, vous avez monté une vidéo pour dire les disciples de Kakou Philippe, appelez, le numéro est là, je vous le donne encore. Plus 243 97 445 36 96, appelez, on va vous écouter ici. Si vous allez ouvrir la bouche pour dire le Coran. Un prophète, c'est Muhammad, on reviendra un jour. On va parler sur l'islam en profondeur. Quand vous coincez un musulman sur les hadiths, il va fuir les hadiths, il dit le Coran. Quand vous frappez sur le Coran, il dit non les hadiths. Quand vous frappez sur les hadiths, il dit non, l'hadith n'est pas authentique. Frères et sœurs, il n'existe pas de serviteurs de Dieu dans ce monde, en dehors de ceux qui sont établis par les prophètes Kakou Philippe. Comme conseil, je voulais dire à toi, mon frère et ma sœur qui m'écoutent, tu dors la nuit. Il y a des réalités que tu vois, tu n'arrives pas à comprendre. Tu t'envoles dans les rêves. Tu rêves que tu tombes dans le vide.
tu rêves le monde. Tu rêves, il t'arrive par moments, tu as des rêves où tu couches avec des hommes, tu couches avec des femmes. Tu es étranglé dans les rêves. Tu es étouffé dans les rêves. Il t'arrive dans les rêves, pendant que tu dors, tu es pourchassé par des animaux féroces. Il y a les serpents qui te pourchassent. Il y a les chiens qui te pourchassent. Ce sont des signes de possession. Il ne faut pas accepter de demeurer dans ces choses. Prends le temps. Je télécharge le livre du prophète Kakou Philippe. Lis le livre du prophète Kakou Philippe pour ta délivrance. Le prophète Kakou Philippe, c'est une bénédiction pour l'humanité. Le prophète Kakou Philippe, c'est une bénédiction pour ce monde. Frère, depuis que l'humanité est humanité, aujourd'hui, dans notre génération ici, la sainteté véritable, c'est le prophète Kakou Philippe qui l'enseigne. Alors je voulais dire que Dieu vous bénisse, vous qui nous avez suivis. Nous allons toujours être sur cette page de l'apôtre Amand Martin. Et je voulais dire à tous les disciples du prophète Kakou Philippe que Dieu vous bénisse. Soyez toujours branchés, soyez toujours connectés. Partagez toujours les directs avec tout le monde. Quand vous voyez un musulman qui essaie d'attaquer les récupérer, nous allons les récupérer. D'ailleurs, nous ne voulons pas les récupérer en cachette. Nous allons les récupérer en direct pour que vous puissiez voir que la ruse qu'il utilise ailleurs là, il ne peut pas l'utiliser en direct. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous comble de sa bénédiction. Nous allons terminer par notre cantique que vous aimez très bien. Ça sera toujours l'Esprit de Dieu dans un corps. Quand Dieu ramènera la parole originelle, ça sera toujours l'Esprit de Dieu dans un corps. Quand Dieu ramènera la parole originelle. Je vois Kakou Philippe, c'est passé ton le salut des hommes, un homme d'humilité, un homme de douceur, rempli de sagesse, homme juste, un homme d'humilité, un homme de douceur. Dieu manifesté dans un corps, la parole nous dit, c'est confié dans ses prophètes. Un homme d'humilité, un homme de douceur, rempli de sagesse, homme juste, la parole nous dit, c'est confié en ses domaines. Dieu sauve toujours par un prophète, et aujourd'hui c'est Kakou Philippe. Ça sera toujours l'Esprit de Dieu dans ses corps. Quand Dieu ramènera la parole originelle, ça sera toujours l'Esprit de Dieu dans ses corps. Quand Dieu ramènera la parole originelle. Posa la kaka tango nyoso Oli mwazambe na kati ya nzoto Tango zambe ya kozongisa Iloba na ye na mokilioyo Posa la kaka tango nyoso Oli mwazambe na kati ya nzoto Tango zambe ya kozongisa Iloba na ye na mokilioyo. L'Esprit de Dieu aujourd'hui, Molimo Azambe Lelo, Ezana Katia Moto. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, chaque fois que Dieu doit sauver l'humanité, Dieu doit tabernacler dans un homme pour parler. Et aujourd'hui, Dieu nous parle par le prophète Kakou Philippe, un prophète
qui enseigne l'adoration véritable, un prophète qui enseigne à l'humanité la sainteté. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.